J'espère que vous allez bien, c'est Dean Kelly. Ça y est, après un an avec mon pot d'origine, parce que ça fait plus d'un an que je roule avec ma moto, j'ai décidé enfin de changer la ligne. Pour celles et ceux qui ont vu ma précédente vidéo, donc j'avais déjà annoncé ce changement. Et puis bah, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez également pu voir la ligne en question, puisque je vous ai fait une petite story avec une petite photo. Donc voilà, pas de surprise pour vous du coup. Je vais vous filmer un petit peu le montage en espérant que ça va bien se passer. Alors moi je suis une brêle en mécanique, je m'y connais absolument pas. Du coup ben, c'est mon copain qui va me la monter. Et bien sûr je vous ferai donc un avant et un après. Je vous montrerai le bruit que fait actuellement ma moto avec le pot d'origine. Donc je vous ferai un après avec les chicanes et ensuite sans les chicanes. C'est parti! Comme une folle. Ça fait tellement bizarre de rouler sur une moto qui fait du bruit, bordel. Ah, excusez-moi, je suis comme une enfant, mais ça fait tellement bizarre. Comme ça fait plus d'un an que je roule, que je roulais avec le pot d'origine. Bah voilà, vous comprenez bien que pour moi c'est tout nouveau, tout ça. J'ai pas du tout l'habitude et euh...
En fait, comme j'expliquais, si j'ai décidé de changer ma ligne, il y en a un qui fait de la pétanque tout seul, c'est surtout question sécurité, parce que voilà, c'était déjà arrivé en fait 3-4 fois que des voitures se déportent sur moi parce que elles ne m'entendaient pas arriver. Et comme les voitures, enfin très souvent les gens ne contrôlent plus leur rétro avant de déboîter, et elles ne m'ont pas entendu, donc ni vu arriver, et elles se sont déportées sur moi. C'est surtout pour ça que j'ai décidé de changer ma ligne, donc si avec ça on ne m'entend pas, là je comprends plus hein. Elle pète. J'adore quand ça pète. C'est tellement jouissif. Bordel.